Et bonjour, mon GPS Aurélie. Bonjour, le géoptimiste. Bienvenue à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. Eh bien, c'est un lieu insolite que nous allons visiter aujourd'hui, un lieu qui se trouve à proximité du château de Rambure, que nous survolerons en fin d'émission. Nous sommes en plein milieu d'un archéosite mérovingien qui a été reconstitué donc par tout un groupe de bénévoles. Ça a commencé dans les années 2000 et donc au fur et à mesure, ils ont fait différentes constructions. Donc là, sur le site, on trouve 400 petite hutte. On a également donc deux fours de poterie qui ont été reconstitués. Voilà, donc là les différents bénévoles ont utilisé les outils d'époque. Donc là, pas de tronçonneuse, que des serfouettes et autres de façon à enlever les écorces et ils ont tout travaillé à la main. Et alors on voit qu'il y a des herbes qui poussent, il y a vraiment des herbes ou des plantes qui poussaient comme ça au sol. Voilà, donc là au-dessus, donc il y a eu différents pieds de jonquilles qui ont été aménagés de façon à bien colmater la partie haute parce que donc là les différentes bottes de chaume n'étaient pas forcément très hermétiques, donc ils recouvraient de l'argile et ils faisaient des plantations. La commune a eu la bonne idée de réunir cette collection qui n'avait rien à voir dans ce merveilleux manoir. Voilà. Donc nous sommes là maintenant dans un autre musée intitulé La Croisée du Temps. Là ça regroupe des milliers d'outils agricoles servant aussi bien à la fenaison, la moisson, le labour. C'est très 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 varié, très riche. Là on repart minimum 50-60 ans en arrière pour les personnes qui n'ont pas connu les premiers tracteurs. Le gros chariot permettant de transporter les meules de foin, de blé et autres. Trieuse de pommes de terre, là on est vraiment dans le monde agricole il y a 50-60 ans, au minimum. Et on a donc la chance également d'avoir pas mal de photographies représentant différentes scènes de la vie agricole. Et on a donc ici ce batteur de fléaux qu'on a représenté sur une des photos présentes dans le musée. Alors là, on est parti très loin dans l'histoire, on est au niveau de l'archéologie. On a donc une très belle collection qui part du paléolithique ancien et qui va jusqu'à la période gallo-romaine. Là, donc, on a tout un ensemble de pierres taillées, polies et autres qui ont été découvertes dans la région essentiellement. Il y a eu quelques dons, il y a des prêts particuliers et ça permet de remonter très loin dans le temps au niveau de différents outils qui pouvaient être utilisés, des pointes de flèche et autres. Et au passage, on apprécie l'architecture de ce manoir. Voilà, donc là, on est dans une des plus grandes pièces du manoir, qui est du 1er quart 16e siècle. On a une superbe cheminée qui est derrière moi. Et on a donc ce manoir qui est magnifique, avec tous des murs en briques qui permettent de garder la fraîcheur. Éventuellement, le froid, l'hiver, a du mal à passer.
mais on a eu la chance également d'accueillir Monsieur Henri IV, une nuit. Cette pièce a été aménagée afin d'accueillir donc le musée des instruments de musique et c'est essentiellement des instruments qui ont été utilisés par l'harmonie municipale. Particularité de l'harmonie municipale de Blangy, elle va avoir 140 ans cette année. On a une belle collection de cuivres, d'instruments à vent, flûte à bec, traversière et on a eu un don particulier, c'est le piano qu'on aperçoit derrière moi. Change encore d'univers. Au préalable, on était en archéologie. Là, on est en plein milieu de l'époque coloniale française, aussi bien africaine qu'Asie. Donc là, c'est tout un ensemble de documents iconographiques, tout un ensemble de cartes concernant les différentes conquêtes coloniales françaises, asiatiques et africaines. On aborde différents thèmes qui ne sont pas forcément triés, comme les esclaves. Mais c'est malheureusement l'histoire française qui veut ça. Et donc là, cette collection, vous pouvez également apercevoir tout un ensemble de statuettes, des petites huttes qui abritent de jolis documents. On a des tenues d'époque qui sont présentées, donc aussi bien coloniales que malheureusement les fers d'esclavage. On a des tenues également militaires. Donc là, il y a plein d'informations très enrichissantes. Puis des documents, des posters, des... Alors, on a tout un ensemble de posters, de cartes qu'on a connues quand on était enfant au niveau des différentes écoles. Et c'est en plus pédagogique puisque ça a été mis en place également avec un professeur d'histoire géo. Mais le musée le plus important est sans aucun doute le musée du verre. Et pour une bonne raison, Blangy-sur-Bresle fait partie de la Glace-Vallée. La Glace-Vallée, pour la simple bonne raison, c'est qu'actuellement, on a 70 à 75% de la production mondiale pour le flaconnage de parfumerie de luxe qui est produit dans notre région. Vous pouvez le constater autour de moi, on a plein de grandes marques qui sont connues et on est Vallée du Verre par excellence depuis quasiment 7 siècles. L'industrie a commencé donc à s'installer dans notre région à partir de 1429 avec une première verrerie recensée à Saint-Martin-au-Bosc et maintenant on en a encore 7, dont 4 vraiment spécialisées dans le domaine du flaconnage pour la parfumerie. La technique du travail du verre s'est installée dans la région, ça s'est perpétué. Après, le savoir-faire a continué à se développer. Il y a toute une industrie qui tourne autour de la fabrication du verre. Parce qu'il n'y a pas que le verre, il y a aussi les moulistes, les paracheveurs, les maquettistes et autres. Et là, il y a vraiment un savoir-faire qui est reconnu de par le monde. Thank you.
point d'orgue de la visite, la démonstration d'un maître verrier. Alors Hervé, c'est un maître verrier, il a maintenant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du travail du verre en technique verre soufflé bouche et façonnéma, ce qu'on peut appeler la technique Rhénane ou technique à la volée. Et depuis 15 ans, donc Hervé est salarié de la ville de Blangy pour assurer donc la production verrière de l'établissement. On a plein d'ardoises avec différents colorants qu'Hervé peut utiliser pour la fabrication. Donc ça peut aller du blanc au bleu, au vert, au rose, au turquoise. Là, il a un panel de couleurs qui est très très important. Alors ces techniques-là sont apparues il y a maintenant plus de 1000 ans puisque les premières cannes à souffler sont apparues 2 à 3 siècles avant Jésus-Christ, en Gaule 3 à 4 après Jésus-Christ, ce qui fait que au fur et à mesure les matériaux ont évolué au niveau de la résistance à la chaleur, mais les techniques se sont améliorées. Mais les outils de base sont toujours identiques. Et donc là on a donc la maillotche, outil en bois, qui est utilisé depuis des temps anciens. Et donc là, en soufflant, il développe la partie verte qu'il a mis en premier et qui va prendre place progressivement dans la partie incolore. Et au fur et à mesure, en travaillant donc soit avec les outils, cette plaque métallique, il va modifier la forme et créer un objet. J'ai croisé un groupe de camping-caristes qui avait fait escale sur ce parking. Il faut être en autonomie, mais c'est toléré. Quelque chose me dit que ça pourrait faire une belle étape France Passion à suivre. Et puis sinon, à proximité immédiate, il y a un camping au Signe d'Opale. Vous êtes à 10 km à peine du château de Rambure. Ah, ne ratez pas le château de Rambure, magnifique lieu à visiter, qui avait fait l'objet d'un reportage, c'était lors de l'émission numéro 10. Nous avions rencontré Monsieur le Baron, qui nous avait raconté son enfance dans ce manoir que nous avons cette fois pu survoler.